L'histoire est simple. Une découverte scientifique majeure, présentée par un grand esprit à la fois éclairé, visionnaire et hilar. Il a du mal à masquer son enthousiasme, sa passion et même sa folie. C'est Copernic qui croise Christophe Colomb, version Anna Barbera, et qui derrière ses multiples dons du bonheur, à la mode en l'an de grâce 3022, nous présente sa découverte. Voilà ce qu'il a révélé au monde. Après 1000 ans d'oubli et d'éclipses dans l'éclat du temps, on a fini par retrouver, par hasard, les traces d'existence de ce peuple incroyable qu'on appelle le Maroc. Les idées bande dessinée, ça rend intelligent.